nous sommes entourés au quotidien d'écrans. Que ce soit votre télévision, votre ordinateur ou votre téléphone, il y a de fortes chances pour que ce soit des écrans LCD. Mais savez-vous vraiment comment ils fonctionnent? C'est ce que nous allons tenter de vous expliquer dans cette vidéo. Un écran LCD, pour Liquid Crystal Display, ou écran à cristaux liquides, est composé de dizaines de milliers de petits éléments appelés pixels. La multiplication de ces pixels sur un écran permet d'afficher des images, mais selon les écrans, la taille d'un pixel n'est pas toujours la même. Par exemple, sur un écran en haute définition, il y aura 1080 pixels en hauteur et 1920 sur la largeur, ce qui fait un total de plus de 2 millions de pixels. Et on peut même aller encore plus loin. Il existe des écrans dits 4K qui possèdent 2160 pixels en hauteur et 3840 en largeur, soit environ 8 millions de pixels, donc 4 fois plus qu'un écran HD. On parlera ainsi de la définition d'un écran pour désigner son nombre de pixels. Le temps de réponse caractérise le temps nécessaire pour qu'un pixel passe du blanc au noir, puis revienne au blanc. Il y a 15 ans, les écrans les plus performants avaient un temps de réponse d'environ 10 millisecondes. Aujourd'hui, la majorité des écrans vendus sur le marché ont un temps de réponse de 5 millisecondes. Certains moniteurs axés sur le jeu vidéo descendent même jusqu'à 1 milliseconde. Parmi les autres caractéristiques des écrans LCD, on retrouve aussi le contraste de l'écran. Il se mesure en faisant le rapport entre le point le plus lumineux d'un écran et le point le plus sombre. On prend l'exemple d'un écran où le blanc est mesuré à 250 candela par mètre carré et le noir à 0,25 candela par mètre carré. Pour connaître le contraste de cet écran, on fait le rapport entre ces deux mesures, ce qui nous donne un contraste de 1000 pour 1. Ce contraste correspond au contraste moyen des écrans d'ordinateur actuels. Revenons-en au pixel, que l'on va aborder plus en détail. Un pixel est composé d'un premier polariseur, d'un filtre de couleur et d'une électrode, puis une couche de cristaux liquides et enfin une deuxième électrode et un deuxième polariseur. Enfin, on retrouve un rétroéclairage. On a tous déjà remarqué que sur des calculatrices par exemple, lorsque l'on exerce une pression sur l'écran, l'image que l'on perçoit est modifiée. Mais qu'est-ce qui cause cette modification de l'image? C'est très simple. Lorsqu'on va appuyer sur l'écran de la calculatrice, on va modifier l'épaisseur de la couche de cristal liquide présente dans l'écran LCD. La lumière va alors parcourir moins de distance avant d'arriver au second polariseur. Nous allons maintenant voir le fonctionnement d'un polariseur. Comme nous l'avons déjà vu en cours d'optique, les phénomènes de polarisation des ondes lumineuses sont des phénomènes liés au champ électrique E et au champ magnétique B. On sait que le plan de polarisation de l'onde lumineuse est le plan formé par le vecteur d'onde K et le champ électrique E. Mais nous savons aussi que la direction de polarisation de l'onde lumineuse est la direction prise par le champ électrique E. Il existe différents types de polarisation pour les ondes lumineuses. Polarisation rectiligne, polarisation elliptique ou polarisation quelconque. On peut modifier la direction de polarisation d'une onde, et cela grâce à un polariseur. Cependant, l'intensité de l'onde est modifiée. C'est ce qu'a montré Étienne Louis Malus en 1809. I est égal à I0 cos carré de θ, avec θ l'angle entre la direction de polarisation de l'onde incidente et l'axe du polariseur. Derrière ce polariseur, on a une couche de cristaux liquides. Les cristaux liquides sont, comme leur nom l'indique, des cristaux ni solides ni liquides. Ils introduisent donc de nouveaux états de matière, autres que ceux que l'on connaît si bien. On les appelle des mésophases. On distingue deux grandes classes de cristaux liquides, les cristaux liquides thermotropes et les cristaux liquides lyotropes. Les thermotropes changent de phase en fonction de la température, tandis que les lyotropes sont des cristaux liquides pour lesquels les mésophases sont induites par un solvant et dépendent de sa concentration et de sa température. Les différentes mésophases entraînent des propriétés optiques différentes, comme la biréfringence. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'on peut les distinguer. Mais savez-vous ce qu'est la biréfringence? Les matériaux dits biréfringents sont des matériaux dans lesquels la lumière se propage de manière anisotrope, c'est-à-dire que la vitesse de propagation de la lumière dépend de la direction de la lumière. Un matériau biréfringent comprend donc plusieurs indices de réfraction. Les matériaux biréfringents sont capables de diviser en deux un rayon lumineux. Il y a alors double réfraction. C'est d'ailleurs de là que vient l'étymologie du mot biréfringence. Biréfringence pour double réfraction. La calcite est, par exemple, un cristal biréfringent. Voyons plutôt l'effet qu'a ce cristal sur les ondes lumineuses et comparons-le à du verre. Comme on peut le voir sur cette vidéo, lorsque l'on passe la calcite devant une image, on perçoit cette image en double. C'est dû à la biréfringence de ce matériau qui divise les rayons lumineux en deux. Comparons maintenant cet effet à celui du verre. On remarque une déformation de l'image due à la fois à l'indice de réfraction du verre, qui vaut 1,5, mais aussi à la forme du verre. Cependant, l'image n'est pas ici perçue deux fois, car le verre n'est pas un cristal biréfringent. En général, lorsqu'on parle de biréfringence, on parle de biréfringence linéaire, mais il existe aussi la biréfringence circulaire.
la birefringence linéaire consiste à considérer les indices de réfraction pour les ondes polarisées rectilignement, tandis que la birefringence circulaire est la propriété qu'ont certains milieux de faire tourner le plan de polarisation d'un faisceau lumineux qui les traverse. Il existe des matériaux birefringents uniaxes et biaxes. Les matériaux birefringents uniaxes possèdent deux indices de réfraction différents, appelés indices de réfraction ordinaire et extraordinaire. La différence entre ces deux indices est appelée birefringence absolue. Les milieux biaxes possèdent quant à eux trois indices de réfraction. La calcite, que nous avons citée auparavant, est un cristal birefringent uniaxe. Pour mesurer la birefringence d'un matériau, on peut utiliser un polariseur et un analyseur. On place l'échantillon entre ces deux éléments qui forment le système optique et on analyse les interférences qui résultent de la traversée du système optique. En effet, à l'aide d'un microscope et d'une lumière polarisée, des cristaux liquides sembleront être composés de zones de texture distinctes. Dans cette vidéo, chaque zone correspond en fait à un domaine où les molécules sont orientées dans la même direction. Chaque type de mésophase est caractérisé par l'ordre qu'on y trouve, de position, de rotation, et cela à courte ou longue distance. Par exemple, les cristaux liquides peuvent couler comme un liquide tout en ayant un certain niveau d'ordre et de rotation, comme un solide. Pour revenir à nos écrans, on se contentera de parler des catégories de cristaux liquides qui nous intéressent. Les nématiques en hélice, aussi appelés twisted nematics. Ils font partie des cristaux liquides thermotropes. Ces cristaux liquides ont la particularité d'être des molécules diélectriques. Elles ont donc un moment dipolaire. On dit que les molécules sont twistées à l'équilibre. On peut donc les détwister en alimentant les électrodes, ce qui crée un champ électrique et donc un champ magnétique qui va faire tourner les molécules dans l'autre sens. Grâce au phénomène de birefringence, les ondes traversant ces cristaux liquides vont être continuellement déphasées jusqu'à atteindre une polarisation perpendiculaire à celle d'entrée dans le système. Pour finir, il y a deux façons d'installer le polariseur. De manière perpendiculaire ou parallèle. Ce qui mènera à deux types d'images, l'image positive ou négative. Et il y a deux types d'éclairage, l'éclairage transmissif qui correspond à la présence d'un rétroéclairage, par exemple dans une télévision ou les téléphones. Et l'éclairage réflectif qui n'a pour source de lumière que la lumière extérieure. Il y a donc une couche réflective au fond de l'écran, par exemple dans les calculatrices et les montres. Pour votre culture, voici une information complémentaire. Les cristaux liquides cholestériques sont présents en grande quantité dans notre quotidien. Capables de réfléchir la lumière, ils sont utilisés dans les logos dont la couleur change avec la température ou l'angle d'observation. Il y a par exemple des cristaux liquides sur les billets de banque, au niveau du montant indiqué en bas à gauche. C'est pour cela que l'on perçoit la couleur du numéro différemment en fonction de l'angle avec lequel on regarde le billet. Voilà, maintenant vous savez tout sur le fonctionnement des écrans que vous utilisez tous les jours.